faits se sont déroulés lorsque des hommes armés non identifiés ont attaqué un convoi militaire à Arbinda dans le Soum, et dans le même temps, un autre groupe armé a attaqué des civils. Selon le communiqué de l'état-major des armées burkinabées, les combats ont été intenses et ont duré plusieurs heures durant lesquelles des tirs ont été échangés de part et d'autre. Le bilan officiel est de 80 terroristes neutralisés. Une centaine de motos et de l'armement a été récupéré par les forces de sécurité burkinabées. Néanmoins, on déplore 7 morts et une vingtaine de blessés du côté des forces armées burkinabées, mais surtout 35 victimes civiles. Un grand nombre de ces victimes civiles étaient des déplacés. Le président burkinabé Roch Marc-Christian Kabore a sur son compte Facebook salué l'engagement des forces de sécurité burkinabées. Et on a également profité. Ada. Ça va nous neve. Moi-même, 12 ans. 12 ans. Moi, je n'ai rien là. Après que la sac est chez l'air. Kiébélé, c'est la seule localité dans le Burkina, pour ne pas dire dans le monde, où on a des cases peintes traditionnellement avec une architecture différente des autres. Il y avait les guides, il y avait les différentes familles qu'on visitait où chacun gagnait quelque chose. Il y avait les petits restaurants, les petites buvettes où les clients, c'est un peu partout, chacun gagnait un peu son compte. Et je pouvais, par jour, avoir plus de 5 groupes. C'est un groupe de touristes avec des 4x4 qui viennent de partout. Soit de Ouaga, on dit, c'est Youssouf, nous voulons comme guide.
On nous a recommandé Youssouf. Et donc, ça vivait. Et je me faisais plein d'amis. Pas aujourd'hui. J'ai des larmes aux yeux. Au départ, on nous dit terrorisme, djihadisme. Des larmes aux yeux, pas que pour moi, pour toute cette grande population qui vit de ça. Depuis que le tourisme est arrêté, tout le monde s'abat sur le site minier. Alors c'est une zone très, très, très dangereuse. Personne ne maîtrise la zone, même l'État. C'est le Far West. C'est chacun pour soi. Et le reste, on s'en fout. Briquet, voilà. Ah ouais. Pas un briquet. Ah ah. Briquet, pas. De l'air. Waouh. Pas la bébé. Voilà, il y a un peu. La voiture, il y a. À la fourni, ça m'a tout, la voiture, il y a. Il y a normal. Ton bican, tout, là. Ton joué, ça m'a tout, mais tout. Pourquoi, là? Tu as salmé, c'est ça. J'y ai fait, il y a un cas. Ne va pas faire qu'un ami. Il est tordu. Tout ma cama, tout le monde est là. Il y a des gens qui me dépensent. 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 Ah, on est en pire. Vous attendez tout le temps en taquet. Voilà. Hein? Ah, ah. En taquet. Moi, taquet, je ne peux pas. Bob, il s'adapte à toutes les situations. Au début, je l'ai connu comme apprenti du camion. Il suivait les véhicules, les transporteurs. À un moment donné, il s'est décidé de rentrer au village. Et il s'est donné au tourisme, à fond la caisse. Il vendait l'artisanat. Enfin, il vend ses objets d'art aux touristes. Mais tout le monde court vers lui parce qu'il a une manière d'accueil des clients. Il les anime à tel point où si tu ne voulais même pas l'objet, tu l'achètes sans te rendre compte. Parce qu'il est phénoménal. Mais le djihadisme, le terrorisme, voilà, tout d'un coup, il n'y a plus de touristes. Au même moment où il n'avait plus sa femme, elle est partie le laisser. Quoi faire? Il a tenté partout, cultiver. La saison n'a pas été bonne. Il n'a rien eu comme revenu. À un moment donné, il s'est décidé, je vais à la mine. On a dit, Bob, tu pourras. Il a dit, oui, je vais essayer ma chance.
Je vais tenter ma chance. Il est parti. Il a laissé les enfants tout seuls dans la maison. Il est allé tenter sa chance. La première fois, quand il est revenu bredouille. J'ai dit, mais Bob, tu vas pas abandonner, c'est très dangereux. Il dit, mais c'est très dangereux, et si je viens en ville, qu'est-ce que je fais? Tu l'as assis, je peux pas passer tout mon temps à demander aux gens pour aller nourrir mes enfants. Je prends le risque. Je risque pour les enfants. Donc, quitte à eux de plier, pour ce que le papa ne reste pas là-bas, parce que c'est pour eux que je fais ça. Je dis, OK. Il me dit, bon, tu vois, il y en a qui ont la chance, qui sortent avec des millions. Moi, j'ai pas encore eu ma chance. Peut-être un jour, ça viendra. Incala. Incala. Nyinga. 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 Dès que vous me n'y a pas de rouleau, calé, Catherine, ton moto. Ah, maman, garde à Yilum d'ailleurs. Aujourd'hui, on va continuer avec la conjugaison. Ok. J'étais contente. Tu étais contente. Nous, il ou elle était contente. Nous étions contentes. Vous. Content. Vous étiez content. Il ou elle était content. C'est simple. Je suis content. Oscar, tu es là? Tu viens me voir? Je veux te féliciter. Merci. Parce que j'ai regardé mon bel ordinateur hier, et je me suis rendu compte que tu es le deuxième meilleur élève de l'excellence. Donc ça, quand même, je suis vraiment très, très fière de toi. À la maison, comment ça va? Ça va bien. Papa, il travaille beaucoup? Oui. Oui. Donc ça veut dire qu'il part plusieurs jours, quelquefois? Oui. C'était plus facile, ta vie, quand tu vendais l'artisanat? Ou c'est plus facile maintenant quand il va faire l'orpaillage? Non. Il y a trop de problèmes dans l'orpaillage. Ah oui, quel genre de problème? Il y a des gens qui mourent même là-bas. Ah bon? Il y a des gens qui meurent là-bas? Oui. En travaillant?
Toi, est-ce que tu as un rêve dans la vie? Est-ce que tu veux faire un métier? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras adulte? Moi, je vais travailler chez les mains. Travailler chez? À l'école. À l'école et puis après? Ah. Ah. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans tes rêves? Quel métier tu voudrais faire? Alain Foucault. Ils ont durablement installé la peur dans le Sahel. Ils arrivent en moto et massacrent des enfants, des femmes dans des marchés, des touristes et humanitaires dans des sites touristiques. Ils frappent en même temps les militaires nationaux comme étrangers. Ils signent ensuite leur forfait de tous les acronymes et sigles les plus barbares. Sous le prétexte de la religion, ils enrôlent des jeunes désœuvrés à qui ils donnent quelques subsides et promettent la félicité divine. Leur objectif, leur idéologie, personne ne peut la définir. En ont-ils d'ailleurs. Pourtant, malgré les impressionnants moyens des armées coalisées contre eux, ils continuent de s'aimer peur et désolation dans toute la sous-région. Mais qui sont ces terroristes qui ensanglantent le Sahel depuis plus d'une dizaine d'années maintenant? Que cherchent-ils? Ce qui est très, très inquiétant pour moi, on constate qu'ils sont en train de prendre beaucoup du terrain. Du jour au lendemain, quelque chose peut arriver. On ne sait pas quand. Parce que comme ils ne sont pas maîtrisés, si les grandes puissances ne connaissent pas leur position pour les arrêter, ce n'est pas nous, paysans en pleine campagne comme ça, qui est assis. Même le téléphone ne marche pas là. Ce n'est pas nous autres qui pourrons contrecarrer la chose. Chocolat, quand même.
Ah ouais, mais ça va. On a tiré avant, là, là. Eh, quoi, Diamaru? I don't know. Isako. Kanyana Wini. Oui, Drogo, Aruna. Go à Pisansi. Il a fini la drogue, on a Blavana, on a fait un goût. Alors, c'est tout. Partout, des milices, des groupes d'autodéfense, communément appelés Kolowero, commençaient à prendre la sécurité de leur zone. Ils ne sont pas reconnus par l'État. Ils sont autonomes. Sérieusement, je m'étais beaucoup opposé à l'installation de ce truc aussi. Je n'étais pas pour. Ils se sont installés. On s'est tracassé par-ci, par-là, parce que quand on voyait des vidéos de comment les Kolowero maltraitent les gens quand ils les prennent, ça faisait peur. C'est des paysans, des gens qui ne sont pas allés à l'école. Ils ne savent pas que torturer quelqu'un lui vaut la prison. Que c'est interdit, ils ne savent pas. Les apprendre tout ça. Abattre quelqu'un parce que tu es chose Kolowero, c'est pas normal. Ils ne connaissent pas ça. Admettons, si tu voles un poulet, tu dois payer combien? Voilà, un poulet, ça commence par un œuf. Un voleur qui vole un œuf, il a amende de 15 500. 15 500, un œuf. Une poule, 30 500. Mais il a des sanctions. Ouais. On va le fouetter, correctement. On va le fouetter. Dans l'association, nous allons l'attacher. Maintenant, pour nous, même s'il a bouffé médicaments, comment, notre totem, c'est on enlève les trucs. Les bois là. C'est les bois de comment dire, Sana. De Néré. Néré. Voilà. Les bois de Néré. Non, de Tamarin. 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 Voilà, tamarin. Nous allons mettre ça au feu. Il y a une autre technologie aussi. Nous allons couper un bois divisé en deux, attaché avec un caoutchouc. Et au niveau de sa jambe, si c'est bien serré, tout ce qu'il y a, il va tout vomir. Il y a un autre plan aussi qu'on appelle le montage par avion. Monter sur avion, ça aussi c'est véritable. Tout ce qu'il y a, il va détailler. Rien n'y a caché. Pour la sécurité du pays. Ouais.
Je vais aller chercher quelqu'un. Non, je vais mettre des boules. Je vais te dire merci. Non. Bon, bon. 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 Bon, bon.
Il y a des arbres un peu partout, il y a la lombe. On doit accompagner, même ces deux chambres, te recoller dans ton lycée. Donc, tu m'as mis à battre que dans l'angle court, balloua. Et puis, on doit tuer au rôle. C'est comme ça. Ah, mais, oui, si. Alors, l'angle pour nous, quand même, quand même. L'or est en train de remplacer tout actuellement dans le village. Qui traite dans l'or, on parle de beaucoup de revenus. Un or pailleur, une fois qu'il sort du trou, qu'il a beaucoup d'argent, il s'en fout, il achète tout au prix qu'il veut. Et c'est comme ça, petit à petit, ça attire tout le monde. Un jeune qui y va aujourd'hui, qui a la chance de tomber sur le filon et qui gagne des cailloux, et il tombe dans l'or. En moins d'un mois, on apprend qu'il s'est acheté une grosse moto. Ceux qui ne voulaient pas aller, alors tout de suite, ils disent, mais attends, il n'est pas plus fort que moi. Et puis il est allé, il s'est acheté une moto. Moi aussi, je vais y aller. Et c'est comme ça. Ça attire les jeunes là-bas à la mine. C'est ça. Le fait de voir son camarade qui a été, qui a gagné un peu, lui aussi, il va aller tenter sa chance. C'est pour ça que tout le village se vide vers là-bas. Je suis là. C'est bien.
Si tu descends, il n'y a pas ça qu'on vous donne les sacs. Ah.
Vous avez tout battu, mais tu m'as dit, maman. Je dis à la moitié de Chelentak. Carrément, pas dans le Babylon, j'ai eu l'ami. Vous savez, maman. Ok. Hake! Hake! Voilà. Lundi, mardi, mercredi, ça j'en connais. Demi pour les gars, pour les gars qui tirent les gars. Ça va, j'ai dit, au pied de passe. Au pied de passe, au pied de passe. Ok. Pas grand, là. Y'a. Le bras, là, moi, tout à l'heure. Ah, là, on est pas demi. Bosa. Ah, I'm not going to die. I don't know why you are here.
Voilà. Des djihadistes. Quand ils se rendent compte qu'il y a la pauvreté qui est rentrée dans la zone, ils essaieront d'utiliser ceux-là qu'ils veulent avec leurs moyens, parce qu'ils sont affamés, pour les recruter. Quand ils vont se rendre compte aussi qu'on est chacun par-ci, par-là, il n'y a plus d'union. Chacun, ça c'est leur force de frappe. Donc, quel avenir pour ce village? Cette question reste posée. Oh, voilà, je... Ah, Bob. Yeah. Bonne arrivée. Merci. Ça comment? Ouais, ça va. Ça va? S'il vous plaît. Une à deux. Une à deux. Une bière à deux, quoi. Ça va, la colline? Bah, pour l'instant, en tout cas, pas du tout. Pas du tout. Seulement, comme on ne sait pas où aller, moi, j'essaie de rentrer maintenant. Nous qui travaillons vraiment au site, c'est une vie que je dois le faire, sinon, ça ne me plaît pas. Et souvent, on filme que des tabacs naturels, du quoi, c'est l'alcool, peraté, c'est une vie qu'il faut vraiment abandonner. Mais là-bas, c'est la vie de laquelle tu peux avoir du courage pour rentrer. Sans quoi aussi, si on te dit de rentrer, même si on met 2, 5, 6 millions dans un sac, on jette là-bas, on dit de rentrer sans excitation. Parmi 10, il y a peut-être 8 qui ne vont pas descendre. Ouais. Maintenant, si un jour je gagne de l'argent pour terminer ma maison, construire le lieu de l'élevage, c'est-à-dire que je m'installe pour faire l'élevage. Là, je n'aurai plus au site. Même si ça tombe du diamant, je reste calé à la maison. Je pense que l'éducation de moi, mes enfants, ma famille, est mieux que ça. Madame,
Partir. Aller ailleurs chercher de l'argent, non. Ça ne m'est jamais venu à l'idée. J'ai aimé la culture de mon village. Depuis mon jeune âge. Actuellement, à mon âge, et la vieille qui est là, ma maman qui est là, si je pars la laisser, qu'est-ce qu'elle deviendra? Je suis prêt à rester pour tout ce qui va arriver. Pour tout ce qui va arriver, je reste. Je ne bouge pas de ce village. Je reste là jusqu'à mort sans suivre. Ton nam sam la wade ton kene me hatit kar sa fa mode ton takama to zole fatimata tale yum pile yibu ton yiwa ton ye ton wa kama le ba yum tole